Nous sommes sur le pavillon technologie et nous allons sur le stand de la console e-commerce rencontrer Rémi Ohaillon qui va nous parler de toute la commercialisation de la console Secretbox. On est à un mois des grandes fêtes. Oui. C'est une période faste, en tout cas en termes de chiffre d'affaires réalisé avec des coffrets cadeaux. Qu'est-ce que vous préconisez de faire aujourd'hui justement pour optimiser les ventes de coffrets cadeaux en fin d'année? Alors d'abord, pour vous donner quelques éclairages au niveau des chiffres, vous savez, sur le premier semestre 2022, nos clients, à peu près 900 clients, ont réalisé 37 millions d'euros de coffrets cadeaux. En 2021, c'était 17 millions. On a une augmentation de 113%. Mais là, je vous parle du premier semestre 2022. On n'est pas encore à Noël. Ça veut dire que là, la totalité de nos clients vont dépasser 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, ce qu'il faut retenir, 50% des coffrets cadeaux se font tout au long de l'année. 50% de la vente des coffrets cadeaux se font à Noël. Mais aujourd'hui, il faut accompagner cet élan. Et nous avons mis en place autour de la console Secretbox des équipes de chefs de projet marketing, de chefs de projet trafic qui vont aider nos clients à promouvoir la console. Concrètement, ça va se traduire avec des campagnes d'SMS, des campagnes de marketing direct, des sponsoring dans Facebook, des sponsoring dans Instagram, de l'affichage promotionnel dans Google avec des achats de mots-clés. Mais imaginez que ça, c'est réalisé par des professionnels de la communication qui vont apporter toute une cohérence d'image pour aller vendre le coffret cadeau qui a été décidé avec notre client. Donc, nos hôteliers, restaurateurs ou managers de spa, ils sont totalement rassurés d'avoir ce service où ils savent que leur image est préservée, la publicité est au bon endroit et le ROI est performant. C'est la raison pour laquelle, chaque année en moyenne, nos clients font à peu près 15 à 20% de ventes de plus de coffrets cadeaux chaque année. Eh ben, merci beaucoup Rémi. J'étais ravi. Et puis ben, on souhaite de très belles fêtes de fin d'année à nos amis équipés de la console Secretbox. De belles fêtes de fin d'année et plein de ventes et on en sera ravis. Merci. Je t'en prie.